Rappelle le lieu, c'est le club municipal. La date, vendredi 14 février, l'heure 20 h. Oui. Et le numéro de téléphone, 01 19 18 72. Voilà, orchestre hein, au menu. On va faire la fête en live. On va se remémorer les premiers souvenirs, les premiers contacts, les premiers baisers, premiers cadeaux offerts. C'est ce vendredi, il ne faut pas manquer. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. On revient sur notre plateau avec Miss Conan et Docteur Brou. On parlait donc des cadeaux, mais moi je pense que on va parler maintenant de la durée de vie du couple. Parce que je pense que c'est encore plus émouvant et d'autant plus touchant quand on a un couple qui a déjà 20, 30, voire 40 années de vie commune et qui prennent encore le temps de fêter la Saint-Valentin. Parce qu'ils pourraient se dire, bon, ça ne nous concerne plus trop, on a vécu, on a fêté des dizaines de Saint-Valentin. Mais il y a encore des couples passés à un certain âge qui prennent le temps et la peine de fêter. Oui, je pense que tout le couple devait le faire parce que il semble que le temps est un ennemi entre guillemets de l'amour. C'est-à-dire l'amour s'effrite malheureusement. La routine s'installe. La routine s'installe. Et je lis quelque part que si nous n'avons pas d'esprit de créativité, l'amour va s'étouffer. L'amour va se dégringoler. Parce que souvent, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes en début d'une relation, même d'une amitié simple, on est très déterminé, on est prêt à mettre tous les moyens, on est prêt à être disponible à 100%, parfois plus même. Mm. Et puis, à un moment donné, le temps avance et puis on a l'impression que bon, finalement, on n'a plus rien à prouver. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, plus une relation dure, plus on a plus d'efforts à démontrer quelque chose. Parce qu'au début, c'est plus facile d'offrir un cadeau, mais avec le temps, on se dit, bon, écoute, ça fait peut-être 10-15 ans que je suis avec ma femme. Vous savez, moi, j'ai 14 ans cette année de mariage. Donc on se dit, bon, ça fait 10 ans, ça fait de cadeaux, finalement, qu'est-ce que je vais donner? Mais on réfléchit et puis on se dit, écoute, ça fait 7-14 ans, mais après 14 ans, on peut offrir quelque chose, c'est possible. Moi, je serais peut-être la petite âme optimiste. Je pense que l'amour, le temps éprouve l'amour. Je veux dire, on peut très bien commencer dès les premiers moments. Ça commence pas forcément par de l'amour, ça commence par une certaine attirance. Et c'est vrai qu'au bout des premières années, on commence réellement à installer ce qu'on ressent vraiment l'un pour l'autre. Mais je pense que les couples qui ont fait 50 ans, qui ont fait 50 ans de vie commune, 50 ans de mariage et qui continuent, s'ils le continuent, c'est parce qu'ils maîtrisent, ils sont conscients de la vraie flamme en fait qui brûle entre eux. Oui, très bien. Il y a Sila Massonje qui nous appelle d'Anyama. Donc, pour moi, après 50 ans de vie commune, après un certain nombre de vies communes, là on me parlait de 2-3 ans, il est toujours important quand même de revenir sur cela. Ces couples mariés là même pourront dire, Docteur Brou, en l'occurrence, que chaque fois que la date du mariage arrive, c'est toujours de bons souvenirs, on se retrouve, voilà. Donc dans la même année, avant la date ou après la date du mariage, quand on se retrouve encore pour parler d'amour, ce n'est jamais harassant. C'est toujours nous deux, c'est toujours se démarquer de l'environnement oppressif, du travail, de tout ce qui est pression sur nous et d'essayer de passer de bons moments ensemble. C'est vrai que très souvent, on a des problèmes avec les cadeaux, mais il y a tellement de structures de production qui s'occupent de nous proposer des idées. Là, aujourd'hui, on a eu 2 ou 3 propositions de soirée. Donc, même si on n'a pas envie de manger, de faire à manger à la maison ou de sortir, aller au restaurant, il y a toujours des personnes extérieures qui nous proposent des services afin qu'on puisse se rencontrer, afin qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Et puis, dans le pire, souvent, c'est écouter simplement son cœur. Peut-être partir à Assini ou à Bassam ou partir carrément au village aussi. Aller passer la Saint-Valentin même au village avec son papa, sa maman, il y a tout le monde qui Alors, a quitté. Parlons justement de cela, hein, passer la Saint-Valentin avec son papa, sa maman. Oui. Aujourd'hui, on étend la chose, on dit que c'est la fête de l'amour. De donc, l'amour, on n'a pas oui. besoin forcément de passer cette fête-là avec son amoureux ou son amoureuse. On peut passer la fête de Saint-Valentin entre amis, tout simplement, ou entre frères et sœurs, oui. avec ses enfants, en tout cas avec ceux et celles qu'on aime. Oui, si on va dans la dimension générale de l'amour dans sa globalité, oui. Ça peut être l'occasion de retrouver d'amis. Il y a des amis, des gens avec qui nous avons souvent des relations exceptionnelles et qui, pour des problèmes professionnels, pour d'autres raisons, ne se voient pas, mais le cœur bout toujours d'affection. Ça peut être l'occasion de dire, écoute, tu que ça tombe un week-end, Miss Colin l'a rappelé, que ce vendredi soir, on va essayer de se retrouver, on va se souvenir de notre jeunesse, comment
peut-être ceux qui sont mariés, on a eu nos épouses quand nous étions étudiants, comment nos premiers moments d'amitié qu'on se fréquentait dans nos études. C'est des bons moments de retrouvailles. Je pense que ça fait partie de la vie et cela donne une qualité de vie que les gens ne comprennent pas. Se retrouver avec les amis qu'on aime, des gens avec qui on partage les mêmes convictions, je vous assure que c'est pas mauvais aussi, c'est Valentin, dans le sens de l'amour. Parce que l'auditeur qui a appelé en a parlé, oui. Oui, docteur, on va prendre Madame Kwame qui nous appelle de Marcory. Allô? Madame Kwame? Bonjour. Oui, bonjour Madame Kwame. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, merci. Bon, concernant la fête de la Saint-Valentin, je ne suis pas contre. Oui. Je voulais dire que ce n'est pas forcément qu'on doit attendre un jour précis de l'année pour dire à notre conjoint que nous l'aimons. Nous pouvons le faire à tout moment et à n'importe quel moment. Bon, imaginons qu'un monsieur infidèle, il trompe sa femme, il la maltraite. Et que pendant l'année, et que le jour de la Saint-Valentin, il lui offre un cadeau. Bon, elle ne sera pas contente. Elle sera frustrée. Parce que depuis le jour qu'on vivait ensemble, ce monsieur ne lui apporte pas de cadeau. Il ne la prend pas de manière gentille. Donc, lui, la Saint-Valentin, elle ne sera pas heureuse. Donc, on passe dans forcément la Saint-Valentin pour un cadeau. On peut le faire n'importe quel moment. Très bien. Nous vraiment. Très bien. Merci beaucoup, Madame Kwame, pour votre point de vue. Le docteur va y répondre dans quelques instants, dans quelques instants, parce qu'on a une invitée encore. Elle est de retour, elle était là il y a quelques instants, Solange Aralamon, qui nous parle encore de la Saint-Valentin, cette fois-ci à l'espace Campmel. Oui, l'espace Campmel. Campmel. Voilà, Campmel. Campement, pour rentrer dans vraiment le traditionnel, quoi. Le campement Mel. D'accord. C'est un restaurant situé à Bingerville. Et pour la Saint-Valentin, à l'occasion de la Saint-Valentin, comme on l'a dit, le 14 février, ça tombe un vendredi soir. Tout le monde n'a pas l'occasion de sortir parce que revenu du travail, on peut être fatigué. Mais on profite le lendemain pour se rendre à Campmel. Campmel Restaurant, c'est un restaurant chic, mais vraiment dans la nature, situé à Bingerville, à l'entrée de Bingerville, au carrefour Fekessé. Les pancartes sont là pour situer. Et quand vous arrivez, d'abord vous êtes conquis par l'environnement, par l'espace qui est dans, avec l'air frais, l'air naturel et tout. Et quand vous y arrivez, la nourriture est exquise. Parce que le chef cuisinier qui est là-bas, c'est un professionnel. Toutes les nourritures y sont représentées, africaines, ivoiriennes, européennes, internationales et tout. Et pour la Saint-Valentin, le restaurant Campmel organise une journée spéciale pour tous les amoureux, pour toutes les familles qui ont envie de sortir, découvrir des espaces nouveaux. Et ce sera de 10h à 18h, pardon. Pendant toute la journée de samedi, il y a une cascade de nourriture qui sera offerte. Et principalement, le chef cuisinier a prévu un menu spécial. Ce sont des sols braisés, des brochettes et des quejenou d'escargot. Voilà. Et pour tous ceux qui ont envie de faire un tour là-bas, vous pourrez appeler le 05 50 55 24. En tout cas, nous vous attendons au Campmel, j'y serai. Et je vous invite tous à y faire un tour, vous ne serez pas déçus. C'est ce samedi, le 15 février à Bingerville. Donc 05 50 55 24. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eva. Très bonne journée, très bonne fête de Saint-Valentin. Merci à toi aussi. Merci. Docteur, alors oui, on revient donc au coup de fil de Madame Kwame, qui nous appelait de Marcory et donc qui disait donc qu'il ne fallait pas attendre un jour précis pour célébrer la fête de Saint-Valentin, il fallait démontrer son amour pour son partenaire au jour le jour. Je suis parfaitement d'accord, je pense que c'est comme la fête des mères. C'est un jour spécial qu'on a choisi juste pour commémorer. Mais internationalement, tout le monde. Tous les jours, c'est comme on a parlé d'honorer les parents. On honore les parents tous les jours. Et puis un jour exceptionnel pour se souvenir à fond. On va fêter les mères. On a maintenant créé la fête des pères. Ça ne veut pas dire que mon papa, je ne l'aime seulement que le jour de la fête des pères. Donc je suis d'accord avec madame. Mais je pense que, elle appelle également les hommes à plus de responsabilités. Les femmes également, dans le couple, à démontrer l'amour au jour le jour. Il est évident que. Je pense pour moi, même un cadeau, même le 14, c'est l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire, on a 365 jours, le 364, on le vit.
Et puis le 305e jour où la Saint-Valentin, on s'arrête pour dire haut et fort, on s'aime. C'est comme le mariage, vous aimez une femme ou un homme, on vous voit, on sait que vous vous aimez. Et puis un jour, vous choisissez un jour, ça devient d'ailleurs la date d'anniversaire de votre mariage. Vous venez devant témoin, devant le public, devant l'autorité municipale, devant l'autorité religieuse, pour dire que nous on s'aime. Et puis c'est public, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là seul que vous êtes aimé. Sinon, c'est sûr qu'à la sortie, vous divorcez immédiatement. Donc je veux dire, je suis d'accord avec elle, que l'amour c'est le quotidien. L'amour c'est tous les jours. C'est dans les petites choses. C'est 24 heures sur 24, c'est le respect, c'est la courtoisie. Etc. Donc, je pense qu'on... Alors, ça amène également, ça soulève la question de cette fixation-là que certaines jeunes filles font sur la Saint-Valentin, pas que les jeunes filles d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui font une fixation sur la fête de Saint-Valentin. Alors, si on n'a pas vu son partenaire, normalement, on devrait le voir. Mais s'il a eu le malheur de travailler un peu tard... Il faut que ce soit vraiment son partenaire pour qu'on ne voilà. le voit, en fait. S'il a travaillé un peu tard, il a eu le malheur d'avoir un peu plus de boulot ce jour-là, tout de suite, on l'accuse d'infidélité, alors qu'il aurait eu du boulot le 18 février, ça n'aurait pas posé de problème. Donc, il y a une certaine fixation qui est faite sur cette date où tout le monde veut forcément même s'afficher avec un homme qui n'est pas le sien. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est dommage parce que ce sont des faits qu'on remarque chez nous, sur notre pays, où sur certains faits, nous avons des fixations incroyables. Le 14, si on ne m'a pas appelé, j'ai même entendu quelque part, tu peux m'appeler tous les jours. Mais si le 14, là, tu ne m'as pas appelé, là, c'est que vraiment, tu ne m'aimes pas. Bon, quand même, je me dis, il peut y avoir des raisons suffisantes. Mais quand on a des fixations, on ne cherche plus à comprendre. Il y a quand même des gens qui ont des contraintes professionnelles, les forces de sécurité, les agents de santé, vous-même qui êtes de la presse. Je me souviens que le 1er janvier, je pense que toi, tu as travaillé. J'ai travaillé le 31, etc., le 1er janvier. Donc, je veux dire, si sur cette base, c'est concluant pour dire, bon, comme mon partenaire n'a pas été là le 14, donc il ne m'aime pas, etc., etc., je trouve que, bon, il faut éviter les fixations. Les fixations peuvent nous envoyer parfois à l'abattoir. Parce qu'à un moment donné, on ne cherche plus à comprendre. Il faut être élastique, il faut relativiser. Que si le monsieur, la pauvre dame, m'a montré tout son amour pendant 365 jours, 364 jours en fonction du nombre de jours de l'année, et que le seul jour, pour des raisons diverses, ça n'a pas été possible, c'est pas aussi une catastrophe. Mais docteur Beaumont, je pense que dans les foyers, les gens se connaissent. Le monsieur est force de l'ordre depuis 20-30 ans, il travaille. Elle a sûrement, la plupart du temps, moi j'ai lu des histoires comme ça où des femmes ont appelé les patrons de leur mari pour qu'on se rende compte que le monsieur ne veille pas. Il n'a pas de garde. Il n'a pas de garde le 14. Dans les couples, les gens se connaissent. Quand la femme traque son mari ou que l'homme traque sa femme à certaines dates, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas compter sur sa confiance et que ce jour-là, cette dame-là lui prépare un faux. Donc il essaie de prendre les devants. C'est vrai que souvent c'est méchant. On a l'impression que mais on passe tout le temps ensemble le 14 février, qu'est-ce que c'est? Surtout que maintenant, c'est devenu une fête très commerciale. Les gens se battent vraiment, que c'est rentré dans l'esprit de chacun, qu'il faut être quelque part avec quelqu'un le 14 février. Comme Eva l'a dit tout à l'heure, il y a des maîtresses même qui se battent pour être avec le monsieur et tout ça, oui. Et ces hommes aussi, on peut dire, sans beaucoup réfléchir, qui essaient de partager leur temps du 14 aussi entre leur épouse. Et souvent, il faut s'arrêter et se dire, je passe le temps avec mon épouse, toi tu auras le 15. Et il y a la femme de ta mère qui organise quelque chose le 15. Il y en a même qui préfèrent ne pas fêter, qui disent le 14, moi je dors. Voilà, le 14, comme je ça, dors. Je suis avec personne. Voilà, je n'ai pas de problème. Je m'affiche ni avec toi, ni avec la titulaire, personne. Je ne veux pas de scandale. Mais pour ne pas aller, en même temps, pour ne pas aller voir aussi d'autres personnes dehors. Je veux dire, quand tu as deux, trois copines, tu sors avec une belle et deux autres, elles se trouvent d'autres gars aussi. Et vous vous retrouvez tous dans le même endroit. Ça, pour moi, c'est significatif de la vie dissolue aussi de certaines personnes. Quand vous avez ce genre de vie-là, ne vous inquiétez pas. Après, en fait, il y a certains, comme on dit là, le 15, on règle les vraies histoires le 15. Actuellement, on est en train de rire, de parler de la Saint-Valentin, mais il y aura des bagarres à Dijon. Il y aura des cœurs brisés. Oui, il y aura des cœurs brisés, comme on dit, il y aura de la gommesse, il y aura des gens qu'on va rabasser en loc à partir du samedi 15. Ça part de cette fixation-là qu'on se fait de la fête de Saint-Valentin. Il faut forcément, comme vous l'avez dit, Miss Conan, il faut forcément être quelque part avec quelqu'un. Peu importe où, peu importe avec qui, mais il faut être quelque part avec quelqu'un. Guy, par contre, pardon, a dit tout à l'heure, il n'a pas de Valentine, mais pour son événement, il va essayer de trouver quelqu'un quand même. Ce que je veux dire, je suis d'accord avec vous. Hein. Je veux dire qu'il peut arriver effectivement que je me souviens quelque part une fois quelqu'un qui appelle sa femme pour dire écoute, je suis de garde aujourd'hui. Alors qu'on a dit, mais toi, tu m'as ici, on ne fait pas de garde, etc. etc. mais c'est vrai qu'il faut faire en sorte que vous démontriez à votre partenaire que vous l'aimez.
Mais l'amour, c'est pas forcément. Même on peut être présent le 14, de minuit à minuit, sans forcément aimer la personne. Pour ça, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que l'offre de fleurs ou de cadeaux devait être normalement l'aboutissement ou l'accomplissement d'un véritable amour. Moi, pour ne pas aimer quelqu'un, comme il y a la fixation du 14, le 14, je te donne tout ce que tu veux, mais dans mon fond, fond intérieur. Hein. Marie-Ange nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Oui, bonjour Marie-Ange. Bonjour Eva. Bonjour, merci d'être avec nous, on vous écoute. Merci. Je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Puisque c'est la fête des amoureux. Oui. Donc, ça me plaît de vous appeler pour vous souhaiter une bonne fête de la Saint-Valentin. Merci beaucoup Marie-Ange. Merci. Merci beaucoup, bonne fête également à vous. Alors, oui, donc comme je le dis, je pense que si votre partenaire vous aime dans le respect, dans la courtoisie, etc., etc., c'est des problèmes qui ne devaient pas se poser. Parce qu'effectivement, ce n'est pas bien que le 14, alors que vous êtes à minuit, vous êtes au travail, que ce n'est pas vrai. Mmh. Bon, c'est des situations qui arrivent malheureusement. Il y a pire, souhaitant. Même il y a des lapins qui sont posés. On demande à la femme ou à l'homme d'attendre au restaurant. De s'apprêter. Oui, là, ça, c'est encore elle reste à la maison, elle peut pleurer à la maison. Mais on lui donne rendez-vous dans un restaurant. Et on lui dit si tu arrives, il faut commander, j'arrive. Oui, attends. La poche est vide, et puis à la fin, on vous tend le reçu. Le téléphone est fermé. L'addition, et puis tout est fermé. Uh-huh. Je pense qu'il faut éviter ça. Parce que je crois que je voulais. Ça me vient à l'esprit de dire pourquoi, peut-être les semaines à venir, aborder tout ce qui est autour de l'amour, les caractéristiques de l'amour réellement. Parce que si on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas se permettre de faire ça. Mm. Je ne peux pas dire j'aime X ou Y. Je voulais rappeler que aimer ici, quand vous lisez l'amour de Saint-Valentin, ce n'est pas un amour forcément sexuel. Mm. Ça peut être un amour, on a dit, c'est un amour global. Ça peut être quelqu'un qui, pour des raisons diverses, par son comportement, par sa façon de voir, vous l'aimez. Je peux aimer quelqu'un, par exemple, qui fait de l'animation, de la télé, etc. Donc, ce n'est pas forcément un problème sexuel. Donc, c'est un autre aspect, mais globalement, il s'agit d'amour. Donc, prendre un appel de M. Diomondé qui nous appelle d'Abobo. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, M. Diomondé. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, M. Diomondé, on vous écoute. Oui, oui, attends, bonjour. Bonjour, M. Diomondé, vous nous entendez? Oui, oui, bien sûr. On vous écoute. Oui, oui, tout est là, très bien. OK. Non, c'est par rapport à Saint-Valentin, j'ai eu l'appel, là. Oui. À tout moment, nous faisons les femmes. Chaque année, on avait les cadeaux. Mais oui. Cette fois, j'aimerais que cette année-là, les femmes n'aient pas les garçons. On a tout fait pour eux, quoi. D'accord. Donc, vous voulez un cadeau de votre épouse ou de votre partenaire? Voilà, donc, j'aimerais un cadeau pour nous. D'accord. Voilà. Et vous êtes marié, monsieur Diomondé? Oui, je suis marié. D'accord. Donc, ici, on lance solennellement un appel à madame Diomondé. On veut un cadeau pour monsieur Diomondé cette année. Oui. D'accord, je pense que le message a été entendu. Merci, très bonne journée. Ce que je veux dire à monsieur Diomondé, je pense que l'expression on a trop fait, ça aussi, c'est pas de l'amour. Je suis désolé de le dire. Quand on aime, on ne finit jamais de faire. On finit jamais de faire. C'est vrai que je l'ai dit moi-même, il est souhaitable que ce soit réciproque. Si madame Diomondé n'a jamais fait, que monsieur est en détresse, de cœur, je pense que c'est l'occasion de se ressaisir. Mais on ne peut jamais dire quand on aime sa femme ou son mari que j'ai trop fait. D'accord, on va parler aussi du côté commercial pour finir. Du côté commercial de la Saint-Valentin, on le dit aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale. Il y a énormément d'événements qui se préparent, dont les magasins sont achalandés spécialement pour la fête de Saint-Valentin. Donc finalement, il y a cette pression qui fait qu'on se sent presque obligé d'offrir un cadeau à l'autre. Oui, ce que je crains, c'est qu'après avoir passé le difficile mois de janvier, on aille encore à s'endetter pour le 14. Non, mais c'est prévu dans le calendrier. Non, le 1er, on sait que pour février, il y a une autre fête. Je le sais, mais vous savez, les travailleurs ici, on a un style de vie qui fait qu'on ne peut pas prévoir sur le long terme. Les prévisions sont très difficiles. Les prévisions sont difficiles, le faux, mais les prévisions sont difficiles. Et mon souhait est que, je prie, je souhaite que toutes les femmes, tous les hommes, en ce jour du 14 demain, puissent avoir l'expression de l'amour de leur partenaire, mais dans les limites de nos possibilités, de nos moyens. Parce que ce n'est pas parce que le voisin allait acheter un bijou en or à coût de millions que j'ai vu que ma femme va exprimer pour dire « Ah, toi, tu dis tu m'aimes et c'est pacotille, tu allais acheter. » Pour le moins, il a l'argent de pacotille. Je pense que quand demain, il va avoir l'argent de l'or pur, il va le faire. Et si on aime vraiment notre partenaire,
quand nous avons les moyens, nous sommes sincères aussi. C'est-à-dire que si c'est difficile aujourd'hui que j'offre des choses de peu de valeur, je devais demain, si j'ai plus de moyens, ne pas cacher et offrir des choses de beaucoup de valeur. Donc, il faut éviter de s'endetter pour fêter parce qu'après, il faut manger demain, il faut manger jusqu'à la fin du mois. Et puis après, ça peut être source de division pour dire oui, tu voulais un cadeau comme tes amis, tu voulais qu'on aille dans tel restaurant coûteux. Aujourd'hui, voilà les problèmes qu'on a. Très bien. Madame Traoré nous appelle de Dalloy. Allô, bonjour Eva. Bonjour Madame Traoré. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Merci Madame Traoré, à vous également. À vous et votre équipe. Merci. Bon, je voudrais intervenir sur ce sujet-là. Oui, Madame Traoré. Pour dire que... Il y a certaines femmes vraiment qui ne connaissent pas cette fête de Saint-Valentin là. Voilà. Moi, dans mon cas, par exemple, ça fait près de 25 ans que je suis avec mon mari. Oui. Mais ce genre de fête-là, je n'ai jamais eu l'occasion de connaître exactement ce que ça signifie réellement. D'accord. Vous n'avez jamais fêté de Saint-Valentin? Non. C'est parce que c'est pas dans vos habitudes, monsieur n'est pas très pour ou... Monsieur, le villageois, il connaît pas. Monsieur, quand il est là, oui. Quand il est là, que vous essayez de parler de ce genre de choses, bon, immédiatement, il met un côté religion, c'est pas notre fête, tout ça. Mais le plus souvent, il ne le fait pas avec moi, mais il choisit de voyager. Même pas seulement la Saint-Valentin, mais même quand c'est les fêtes de fin d'année. Il trouve toujours le moment, c'est ce moment-là qu'il trouve de ne pas être là. Soit il est en mission, soit il est en voyage, ou bien il dit qu'il fait un aller-retour. Et puis bon, quand c'est comme ça, il t'appelle ça pour dire qu'il ne pourra pas rentrer. Mais est-ce que vous avez déjà proposé de l'accompagner? Si, plusieurs fois. Et quand c'est comme ça, c'est ce que je vous expliquais. Il met le côté religion, tout ça, une femme mariée doit rester à la maison, une femme mariée, mais bon. D'accord. Voilà. Donc, on... Donc c'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont dans cette situation qui ont envie de faire ces fêtes avec leur mari, mais bon. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, Madame Traoré, pour cette année, surprenez-le. Il ne s'y attendra sûrement pas. Oui. Donc, vous pouvez le surprendre et puis lui offrir un petit cadeau en disant, même si tu ne veux pas fêter, moi, je décide de te montrer mon amour, de te déclarer ma flamme. Et vous verrez que ça va changer quelque chose. En tout cas, je l'espère. Bon, peut-être que ça sera le 15, parce que déjà, même si il est déjà parti. Bon. Il va venir le 14 soir. On va prier pour vous, il sera là le 14, et sinon plus tard le 15. Et puis à son retour, réservez-lui une petite surprise, soyez belle, accueillante, souriante et tout ça. Bonjour, je vais essayer. Voilà. Et vous nous disiez des nouvelles. Appelez-moi surtout à vous donner des conseils. Merci Madame Traoré. Merci à vous également. Merci. Alors, oui, c'est vrai. Docteur, au-delà, oui, je vais terminer là, au-delà du riz, c'est triste, il faut le dire. Je ris, mais c'est avec un pincement au cœur. Je voudrais solennellement profiter de l'antenne pour inviter tous les hommes et toutes les femmes à trouver du temps pour leur partenaire. Je pense que on est en ville, les choses évoluent, même au village, nous qui sommes allons au village, merci d'avoir parlé du village, parce que quand comme ça me plaît bien, qu'on peut aller fêter Saint-Valentin au village. Aujourd'hui, au village, les gens fêtent quand même l'affection, l'amour. Ah, c'est malentendu. Donc, pas forcément, mais je pense qu'il va falloir organiser dans nos villes, on verra. Ah, bien, ça se fête. Mais je, oui, si. Bon, d'accord. Bon, à Tibissou aussi. Donc, je voulais dire que je voulais inviter ces personnes-là à faire en sorte que leurs femmes soient bien. Parce qu'elle a parlé avec tristesse. Très bien. Et des milliers de femmes sont concernées. Je pense qu'il faut les inviter. Très bien. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci, Miss Conan. Alors, on l'a dit, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et nous, on vous aime beaucoup. Donc, on a des cadeaux pour vous. Bon. Donc, ce sont des bons pour des soins dans un institut. Voilà, bonne fête à vous. Merci. Merci, très chers téléspectateurs. Je rappelle juste que cette émission a été réalisée par M. Loukou Kofi Toussaint. On sera très heureux d'être en votre compagnie dès demain, 13h15 sur RTI2. D'ici là, ne zappez pas, restez toujours sur RTI2. C'est la seule chaîne qui pourra combler toutes vos attentes. À demain.